Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme, Gislaine Duboc. Ça fait 30 ans qu'elle s'occupe des hommes et des femmes, des couples et des, de la famille dans la vallée des larmes où les épreuves de la vie les conduisent. Elle ne fait pas de consultation privée, elle ne fait pas de soins. On va l'interroger aujourd'hui sur son livre La prophétie de l'espoir, publié chez Vega. Bonjour, Gislaine Bonjour. Duboc. Bonjour. On dit que vous êtes chamane. La richesse de votre enseignement est due à l'originalité de votre pratique qui unit l'ouverture de vos perceptions chamaniques aux connaissances et aux outils psychologiques occidentaux. On va parler de la prophétie de l'espoir, une formidable vision chamanique de notre monde en transition. Les questions que vous posez au début dans votre livre, c'est pensez-vous que nous sommes à la fin d'un cycle et que l'avenir est de plus en plus angoissant On se pose tous cette question. Est-ce que l'humanité est en danger et comment en est-on arrivé là Ce livre, La prophétie de l'espoir, il est là pour nous donner de l'espoir. Oui, c'est ça. C'est donner de l'espoir parce qu'aujourd'hui, je pense, je le vois à travers les groupes que j'anime, euh, c'est il y a une angoisse de plus en plus grande parce que euh, nous avons une construction psycho psychologique qui est de euh, d'imaginer le futur et d'aller vers le futur qu'on a imaginé. Hein. On a un objectif et puis on l'imagine. C'est notre façon euh, de de se sécuriser, c'est de, de de rêver d'abord le monde qu'on veut et d'après le construire. Hein. On dit fais tes rêves ou tes désirs, il faut les construire et et euh, aujourd'hui, eh c'est l'écran noir quand on doit se projeter parce qu'on n'arrive pas à voir le, le futur de nos enfants, par exemple. Qu'est-ce qu'ils feront, qu'est-ce qu'ils mangeront, où c'est qu'ils vivront cette façon de, de se projeter est, est devenue angoissante, euh, car que ce soit le GIEC avec le rapport euh, de l'écologie, la pauvreté qui augmente, la guerre, et puis le durcissement des pensées, hein, l'intolérance qui s'exprime facilement, et eh bien toutes ces, euh, toutes ces, ces, ces observations que l'on a et qui nous mettent dans l'impuissance de plus en plus, créent une angoisse et une difficulté à se projeter. Et donc, euh, j'essaie tous les jours avec mes vidéos d'amener à une petite réflexion pour qu'on reste dans la sensation afin de s'adapter aux crises qui viennent. Euh, mais euh, le livre, c'est aussi un outil qui permet à chacun de faire euh, sa propre initiation pour euh, comprendre ce qui arrive, comprendre le monde moderne chez l'Indien. Quoi qu'il nous arrive dans le présent, on regarde où a commencé l'histoire. C'est une façon, c'est pour ça qu'on parle beaucoup. Et euh, là, c'est un petit peu commencer à l'origine, hein, aller dans le mythe pour comprendre que dans cette origine, eh bien, c'est comme dans la graine de carotte, il y a la carotte. Eh bien, il y a le monde moderne d'aujourd'hui. Et comprendre là où on va permet souvent d'agir de, de, en conscience euh, pour la traverser euh, le mieux possible. Voilà. Quand vous dites que c'est un écran noir qui nous attend, je dirais que c'est pire que ça parce que, avec toutes ces informations qu'on nous envoie, c'est plus que noir ce qu'on nous envoie. Donc, c'est bien de, dans votre livre, vous dites qu'il faut changer le rêve et vous changerez le futur. Et là, on va vraiment parler des conditionnements de, de ces, de ces prophéties apocalyptiques ou de changer le rêve, vous changerez le futur. Et ça, c'est hyper important parce que on est tous conditionnés en ce moment à voir que le futur, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Oui, c'est ça. C'est un cauchemar. Et le, et le problème, c'est que euh, on, on vit avec l'esprit avec essentiellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, notre cerveau est dans un monde d'illusions. C'est pas comme dans le bouddhisme, mais on retrouve cette, euh, à nouveau ce, cet ingrédient vital hein, vous dormez, réveillez-vous. C'est pas l'éveil, c'est le réveil. Et on dort ce qui fait que euh, notre réalité comme dans la vie quand on ne peut pas voir quelque chose quand on ne peut pas concevoir quelque chose on le voit par exemple pour l'inceste ou pour des violences euh, on dit au, au, au partenaire qui était là mais tu n'as pas vu tu n'as rien fait eh bien non hein? le déni c'est vraiment pas volontaire on ne voit pas Hein, parce que c'est inconcevable. Si euh, j'ai euh, mon mari ou, ou ma femme, hein, parce que les deux peuvent être incestueux, euh, est avec euh, un de mes enfants d'une façon euh, euh, sexuelle et perverse, si je pense que ce n'est pas possible, je, vais, je ne vais pas arriver à le voir. Et euh, ce qui se passe au niveau de choses aussi simples que ça, hein, comme si je pense que ma mère est en Espagne, je la croise dans la rue, je ne la vois pas, il faut qu'elle me secoue. Je dirais, mais ce pas possible, tu es en Espagne. Donc, je ne vois qu'à travers mon, es mon esprit. Et c'est pour ça que d'être coupé de son corps, de ses sensations, de ses émotions, qui est la base de la construction de notre société, c'est participer à une réalité collective. Mais du coup, quand elle est faussée, comme là où on détruit tout et on ne le voit pas, eh bien euh, on n'a pas les outils sensoriels pour pouvoir être créatif dans une autre euh, dans la réalité de, de, incarnée, je pourrais dire. Oui, alors vous parlez de la réalité, la réalité collective du monde extérieur, mais là vous dites le déni, mais le jour où les gens commencent à s'éveiller, il y a une grande souffrance pour soi et pour la Terre, il y a une, un cri qui déchire les entrailles, je, je cite votre livre, et une envie de demander des comptes avec une violence infinie pour éliminer les responsables de ces horreurs. Je suis passée par là quand j'ai commencé à voir ce qui se passait. D'abord, j'étais en colère. En plus, j'ai eu envie vraiment de, 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 de taper dans, dans le jeu de tir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Parce que ce n'est pas le tout de, de se réveiller. Hein, qu'est-ce qu qu'on fait une fois qu'on est réveillé C'est tout à fait. C'est exactement ça. Hein. Une fois qu'on est éveillé, c'est. je vois, j'aime mon, mon chat ou mon chien. J'ai des chats et des chiens aussi. Je vois quelqu'un leur faire du mal, une personne faire du mal, je vais avoir envie de faire du mal à cette personne. Et je vais rentrer dans la violence. C'est-à-dire que son acte me contamine. Et on est tous obligés de passer par là parce que c'est le corps, c'est l'impuissance qui se lève. Et traverser l'impuissance pour aller à l'amour, afin d'avoir une réponse différente, ça c'est un travail. Et c'est pour ça que dans le, la, le retour aux vibrations, il y a une façon d'aborder euh, les situations où l'ombre rencontre la lumière sans opposition. On rentre dans, dans, dans ce qui se passe et on essaie d'apporter une autre solution qui n'est pas de perdre son humanité pour pouvoir la traverser. Et c'est ça que j'enseigne, que ce soit dans les initiations que je fais ou à travers ce livre. Je crois que euh, même moi, à un moment dans ce livre, euh, je, je suis en colère, je n'ai plus envie de ce qui se passe, mais euh, on est tous soumis tôt ou tard à quelque chose qui nous paraît euh, injuste et révoltant et où il faut l'amour pour le traverser, notamment, par exemple, si j'accompagne un être cher dans la maladie, hein, un enfant qui euh, va euh, avoir un cancer, par exemple, je vais trouver ça injuste, je vais être dans, dans la violence de, de la vie, mais l'amour va ma, me demander de traverser cette vallée, cette ombre, pour pouvoir accompagner et aller au-delà de la douleur pour accoucher dans l'envol d'ailleurs. Oui, vous dites qu'il ne faut pas tomber dans la haine, que la haine vient quand on prend conscience du manque d'amour. Et ça, ah, oui. c'est qu'on a tendance à. Il y a quand même pas mal de haine hein, sur cette planète. Je vois ces douze gamins qui ont été poignardés dans le 93 donc, euh, en un mois. Je veux dire, il y a quand même il y a une, une levée de violence et de haine. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Bah, c'est toujours pareil. Que, que la haine vient du manque d'amour parce que c'est la même vibration. On est au même endroit. Une, une, on, il faut beaucoup aimer pour haïr. Il faut donc comment comment on peut comprendre cette phrase beaucoup aimer pour haïr. Si j'ai l'impression que je ne suis rien, que je n'ai pas ma place, que tout ce qu'on voit de moi c'est un être qui ne devrait pas être là, eh bien j'ai en creux le fait que je devrais avoir ma place, que je devrais être aimé, que je devrais être reconnu. Donc j'ai en creux cette réalité d'amour qui me manque. Et c'est ce manque qui m'amène à la haine. C'est ça qu'il faut comprendre. Si je suis un psychopathe, je n'ai pas de problème, par contre. Parce que je ne ressens ni amour ni haine. Je suis factuel. Il faut que ça fonctionne, ça me fait plaisir. C'est tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on crée les conditions pour nourrir la haine. Oui, pas vrai manque d'amour. C'est effrayant. Alors vous parlez des prophéties, donc les prophéties font peur, hein celles des Indiens ont du succès, Ils font un peu moins peur que les, les prophéties euh, catholiques. Ou... Voilà. Oui, les prophéties, c'est l'Apocalypse, hein on prend chez les catholiques, euh, les catholiques, c'est les religions, euh, les trois premières, quoi. Il y a cette idée que euh, ce qui va arriver, c'est la fin du monde, hein une fin du monde où seuls quelques élus euh, vont s'en sortir. Ah, gros, ça revient à ça. Et on voit bien que celui que je ne prononce jamais bien son nom, c'est Munk ou enfin celui qui est si riche là, qui veut, qui veut faire que la, Mars soit un jour la Terre, eh bien, dans son, dans son exposé pour que l'humanité survive, qui en est la moitié qu'on détruise, lui paraît tout à fait normal voilà un schéma de psychopathe mais aussi un schéma de l'élu et on voit bien que chez les, chez les gens riches il y a le souci aujourd'hui de se préserver de l'avenir qui pourrait être compliqué sur le plan climatique en créant des villes sous la terre mais ce sont les élus qu'importe le reste et ça c'est la base parce que on ne dit pas que tout le monde fait partie de la création il y a ceux qui auront le droit de ressusciter, ceux qui auront le droit d'aller là, et ceux qui resteront sur le carreau. Et ces livres-là développent cette idée que tout le monde ne pourra pas être là demain. Et on voit bien que sur le plan de l'immigration ou autre, on joue sur ce schéma de l'élu. Si je suis l'élu, j'ai le droit d'être là, je serai sauvé. Et ça touche du plus petit au plus grand aujourd'hui. Et ce sont des textes très, très forts. Alors à quoi nous servent les prophéties à part le, le fait que quand l'épreuve arrive, on est prêt Est-ce qu'on nous prépare En tout cas, c'est ce que je comprends avec le temps. Parce que quand euh, euh, si on prend, enfin je me prends plus jeune, ou j'étais te considérer comme une sorcière, parce que dans ma famille, que ce soit ma grand-mère du côté de mon père ou de ma mère, euh, et mes arrières grand mères aussi, a été, euh, on a cette faculté, les hommes aussi, d'être médium, c'est-à-dire on voit les choses avant ou on communique avec les morts, mais d'une façon simple. Hein, c'est Ma, ma grand-mère, on faisait la queue pour pouvoir euh, lui faire soigner le feu, mais elle on faisait ça, il y avait pas 50 000 choses, et puis c'est passé. Et mon grand-père me disait, je vais parler à mon père... Et... Et il allait dans la pièce à côté et on savait qu'il parlait à son père qui était mort. Ça, c'était facile. Mais quand j'ai pour moi, ça se passait comme ça aussi. Donc, on ne, on ne mettait pas le mot pouvoir ou connaissance ou des choses comme ça. C'était comme de respirer, nettoyer un lieu. C'était comme faire le ménage. Hein. Ma grand-mère disait, bon, il y a des vibrations, il euh, va falloir nettoyer. Et elle mettait son truc de sel. Je n'ai jamais vu ça ni comme de la magie ni comme du pouvoir, quoi, quoi que ce soit. Par contre, quand je suis arrivée en pension, euh, si je voyais quelqu'un, euh, je disais, oh là là, ta maman, elle va peut-être avoir un problème ou là, tu es malade. Et très vite, j'ai été une sorcière. Et avec le temps, j'ai compris que la personne à qui on dit quelque chose... Euh, c'est pas la personne qui va l'avoir celle qui demande ou sur le moment quand on vit quelque chose quand on vous dit euh, tu vas rencontrer l'amour oui mais celle qui rencontrera l'amour ne sera pas la même que celle euh, que, que celle qui me parle aujourd'hui ne sera pas la même que celle qui rencontre l'amour. Parce que euh, quand le fruit est mûr, il tombe et la vie nous prépare à vivre ce qu'on a à vivre. Ce qui fait que des fois on s'effraie, c'est pour ça que moi je ne fais plus jamais euh, de voyance en tout cas, euh, parce que, que quand je le sais, je laisse passer, car je ne sais pas comment la vie va l'exprimer c'est ça aussi des fois les blessures vont être des ouvertures extraordinaires et quand c'est vécu quelques années avant c'est un cauchemar et puis on le vit et on ne pense plus que c'est un cauchemar il faut le vivre et après on se dit ouf heureusement que j'ai eu ça dans la complexité du monde permet de ne pas trop le prévoir voilà c'est euh, et tout ça je me suis perdue dans ce que dans ma réponse euh, je voulais répondre à Très bien, mais on revient sur les prophéties, pas forcément. Euh, ah, voilà. Euh, les, les prophéties, vous dites à un moment sur les prophéties, hein, Nostradamus ou l'enfer ou le paradis, c'est des, des prophéties. C'est celui qui écoute le message, qui est le maître oui. du temps et de la qualité de celui qui en a la vision. C'est-à-dire, c'est celui qui écoute le message. Donc, c'est nous en ce moment qui écoutons tous ces messages d'apocalypse et de futur euh, complètement hasardeux qui ont la possibilité de changer les choses. On n'est pas obligé de l'accepter déjà. Pas que dire oui. Oui, c'est. Comment dire Souvent, la prophétie, elle, elle part de celui qui vit l'expérience, que l'on prenne Jésus, Bouddha ou tous les autres, ils n'ont pas écrit une phrase. C'est des dizaines d'années après, voire des cent ans après, où on va exprimer ce qui a été retenu. Mais celui qui écoute et celui qui exprime à sa façon. Sa manière. Et c'est pour ça que les textes, par exemple, paraissent tellement éloignés des fois de l'essence même de ce qui les a fait naître. Mais c'était ainsi. Donc aujourd'hui, quand on voit par exemple, prenons la science pour être une prophétie. La science nous dit, avec le GEC, voilà, tant de degrés, on arrive à ça, vous avez des ouragans, vous avez ça, c'est clair. Et ça fait 35 ans. Quand, enfin, 35 ans. Dans les années euh, de, où il y avait Michel Simon, il y a une petite vidéo où on voit Michel Simon, il y a 65 ans, dire Les animaux sont en train de mourir, on va se retrouver avec ça. Hein? Et on a cette information. Mais cette prophétie, on ne l'écoute pas. Elle, elle n'a pas assez d'ampleur de prise en conscience pour celui qui a les chiffres, qui voit, et qui pourtant n'entend rien. Par contre, l'idée que tôt ou tard, on va être puni, que tôt ou tard, il y aura un cataclysme. Ça, oui, mais pas aujourd'hui. On, on le vit, mais on ne prend pas le chemin de celui qui construit ce qui a été projeté. Et c'est le drame de notre époque aujourd'hui. Et les prophéties de... De la fin du monde ou de Nostradamus qui le voit pareil, mais il y en a d'autres, euh, elle ne donne pas envie d'avancer de demain, mais elle met aussi l'individu dans le fait que quoi que tu fasses, mm. ça ne marchera pas. Alors pourquoi me battre C'est là ouais. où réside le mystère de ceux qui écoutent. Moi, je continue à dire que celui qui écoute, il n'est pas obligé déjà d'accepter, de valider. Après, oui, que l'on soit croyant ou pas, on croit tous en, en la chute, hein. est -à on, on est imprégné de cette chute du paradis, que l'on soit croyant ou pas. Je ne sais pas si on, la, 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 la chute, hein, que cette histoire du Jardin de l'Éden, c'est vraiment la chute qui nous a construits. C'est-à-dire que Ève, qui va dans son désir et dans sa communion, qui fait partie de la chaîne, est punie puisqu'elle elle le quitte. Euh, un espace qui est figé puisqu'il n'y a pas la mort et quand la mort arrive c'est ce qui donne vie hein, eh bien on lui donne l'ordre de mettre de se mettre au service de adam qui est l'esprit donc il faut que le corps soit au service de l'esprit c'est une règle ce qui fait que c'est toujours l'esprit qui euh, croit alors écouter, ben, j'écoute avec mon esprit. Je peux avoir quelqu'un qui me dit je t'aime, qui me raconte beaucoup de choses. Bien, comme on dit, celui qui écoute va faire la valeur. Mais si ça fait partie, je dois me marier, je dois faire ça, la personne dit les phrases qu'il faut, ça va aller. Pourtant, mon corps n'est pas allègre. Il n'a pas la joie, il n'a pas. Mais ça, je ne l'écoute pas. Parce que si je l'écoutais, je me dirais il y a tout et je ressens rien. Donc il y a un mythe. Oui, mais justement, c'est ce que je vous dis, moi, quand j'entends toutes ces prophéties euh, catastrophiques, mon corps, il me dit non, n'écoute pas ça. C'est déjà une bonne chose. Alors, justement, sur le paradis, vous dites que le paradis, c'était l'enfance aussi, le temps béni où on ne connaissait pas la mort. Et, euh, mmh. et vous avez un chapitre sur Dieu, et vous dites que Dieu ne peut pas avoir de manque parce que finalement, il était bien tranquille, il avait tout et il a eu le désir de créer. Et vous êtes étonné si on a un désir, c'est qu'on a un manque. Donc, oui. euh... Quand un tableau est parfait, quand on trouve qu'il n'y a plus rien à ajouter, on signe. Ouais. Quand le, on dit Dieu est parfait. Donc, s'il est parfait, il n'a besoin de rien. Tout est fait. Or, on le crée désireux, désirant. Et pour désirer, il faut un manque. J'ai faim, il faut que j'ai un creux. <laughs> je veux dire, mon désir vient d'un espace vide que je vais remplir. Et c'est la première dynamique dans laquelle on est mis. Et quand on est face à nos parents qui sont des dieux, au début, eh c'est dans leur désir qu'on se construit ou dans leur absence de désir. Mais c'est ce creux toujours qu'il faut essayer de remplir. Alors, est-ce que ça irait avec la phrase que vous avez à la page 64, la voix de l'Indien que vous aimez enseigner conduit de l'illusion d'être dans la solitude des dieux au bonheur de se sentir homme dans, la, dans le rêve de Dieu. J'adore cette Oui, oui c'est ça, parce que si, je, si je, je suis un Dieu, je crée mon monde et je suis seul C'est bien beau d'aller au sommet, puisque nous sommes en vertical, c'est bien, mais quand je suis en haut, je suis seul parce que c'est la base qui est avec le groupe. Et découvrir qu'on est dans un monde qui est déjà fini et plus on le connaît, plus il est complexe, plus il est multiple, plus on sait qu'on a un cerveau qui n'arrive même pas à l'approcher, ça nous permet de lâcher dans l'humilité la plus totale et du coup, on n'est pas seul. Parce que on est avec la vie qu'on peut appeler Dieu, mais on est avec cette vibration qui nous amène dans un voyage, dans une initiation, dans une danse et qui, qui est une danse éternelle. C'est-à-dire que l'ignorant devient à ce moment-là le sage parce qu'il sait qui ne sait pas. Et ça, c'est magnifique, je trouve, euh, d'être ensemble et de ne pas aussi chercher à ce que le monde me ressemble quand je suis. Dans le monde de Dieu, ma particularité euh, devient ma richesse. Je ne cherche pas à faire une hégémonie de qui je suis. Je cherche à m'étonner du jardin fleuri où tout le monde est différent. Hein c'était, euh, je sais plus quel maître qui racontait cette histoire que j'aimais bien. Il se balade dans le jardin. Et, euh, et puis, il y a l'olivier qui lui dit Oh, quand même, tu vois, moi, tu m'as fait. Des, je ne peux pas me reposer l'hiver, mes feuilles ne tombent pas. Hein. Alors que l'autre, ça tombe. Puis après, il va au rosier. Et le rosier lui dit bah, Écoute, moi, j'ai des épines. Alors que quand même, quand tu vas. Et ainsi de suite, au glaïeul, au machin. Et eux, ils n'ont pas d'épines. Et partout il ils se baladent, on est toujours en train de lui dire Voilà, tu as fait ça. Et à un moment, il est avec le chien dedans. Le chien là, il lui dit Et toi alors Il dit Ben moi ça va. Tu me voulais comme ça Ben voilà, c'est bien. Et là, je crois qu'on a toute la philosophie du monde. On est dans un monde où chaque grain de sable est différent, chaque flocon de neige est différent. Et la première cho que chose qu'on apprend, c'est être comme. C'est quand même horrible, non <laughs> Et oui. c'est ça que j'essaie, moi en tout cas, de ramener c'est à cette liberté d'avoir été créé et pas d'être un créateur alors se sentir dans le rêve de Dieu quel pourrait être le rêve de Dieu je crois que c'est là où quand ça me dépasse je ne prends que l'amour c'est à dire la beauté du monde hein, et ça et, et on, on, quand on, on pense du rêve de Dieu chaque fois une fois j'avais saigné du nez quand j'étais très jeune parce que on m'avait dit il y a autant euh, de systèmes solaires que de grains de sable sur la planète. J'essayais de le faire et, et mon cerveau, il buguait. Et je pleurais. Mon grand-père me disait, calme-toi. Calme je pleurais. Je disais, je ne peux pas, je ne peux pas, je, je n'y arrive pas. Je voyais la plage, j'imaginais ces milliards de grains de sable et c'était comme un bout de plage. Il fallait faire des soleils avec des planètes. Je ne pouvais pas le faire. Et en fait, mon grand-père m'a dit, ah, alors comment tu vas faire pour sentir l'immensité et il m'a dit rentre dans ton cœur et maintenant va vers l'être que tu aimes le plus au monde. Est-ce que tu sens pareil Il me dit oui. Et c'est vrai, je pensais à maman il n'y avait pas de limite pour maman, il n'y avait pas de limite dans cet amour. Et c'est là où on peut rencontrer Dieu c'est dans l'acceptation qu'on ne, ne comprend pas, mais par le senti, par la vibration, on fait partie. Le, le volcan n'est pas méchant, le cancer non plus. On fait partie d'une danse qui se transforme à l'infini. Je ne vais pas changer la danse, je me contente de la vivre. Plus loin, vous dites que si ton corps s'éveille, le cycle de la mort sera là, tu quitteras le royaume des dieux, dors et le royaume des dieux sera à toi. Oui, parce que quand le corps s'éveille, on sait qu'il mue tout le temps. Et dans l'esprit, on ne sait pas qu'on est mort. Tant qu'on ne sait pas qu'on est mortel, on ne peut pas être vivant. Tant que la mort n'est pas transformation mais fin, on ne peut pas être vivant. Or, le mot fin, c'est une ligne droite. Et quand euh, on retrouve cette conscience de, de cette respiration qui a un expire et un inspire et qu'à chaque instant il y a une renaissance, sans l'avoir en conscience tout le temps, mais cette acceptation. De cette transformation depuis le moment où on était un grain de sable jusqu'au moment où on est complètement squelettique, si la vie nous prête vie, eh bien, on sait qu'on ne fait que danser l'éternité. Alors que nous, on est dans la tête, on ne sait pas qu'on est vieux, par exemple. Il faut vraiment que le corps commence à dire Non, là, tu ne peux pas courir. Tu dire Oh là là, je ne peux pas faire ça. En fait, on découvre qu'on est vieux avec la douleur. Sinon, on a 20 ans dans la tête, toujours. Oui, ah. ouais, les autres, hein, quand on commence à se lever pour vous laisser la place, c'est que c'est pas… Voilà. Euh... c'est ça, c'est ça, c'est vrai. vraiment les, les choses… Dans la tête, il n'y a pas de temps, alors que dans le corps, il y a le temps. Et on voit bien qu'à mesure que je ralentis mon pas, l'expression de ce qui est autour de moi devient plus intense et plus forte. Je voyage moins, je vais plus loin. C'est incroyable quand même. Alors, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un accouchement dans un autre monde… Oui, je crois que c'est ça qui nous attend. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, par exemple, c'est au moment où il meurt qu'on sait combien, combien on l'aimait. Quand les choses meurent, je regarde mes forêts, les, les rivières et tout ça. Et eh bien, euh, euh, tout, ce qui, tout ce qui meurt, je comprends combien c'était important et beau pour moi. Mais de la même façon, quand un être humain est autant dévoyé de sa nature. Autant éloigné de l'essence même de son humanité, pour ceux qui s'éveillent, c'est la façon de trouver la conscience de qui est l'humain, qu'est-ce que l'humain, comme jamais. Plus on a intégré dans la machine et dans euh, cette façon de découper le monde et de le mettre en matière, plus on va vers ça, plus ceux qui s'éveillent se rendent compte combien c'est fou et combien on est des gamins. Parce que c'est. Incroyable de faire le monde du doudou à cette échelle-là. <laughs> on donne vie à une peluche. Enfin, c'est quand même fou. Et peut-être que le jour où on sait que le doudou n'a plus de poids, c'est le jour où on a appris à aimer autour de soi. Et c'est ça. C'est ça, renaître. Vous avez mis une vidéo sur le silence. Sur le silence, parce que. Parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est, est, est extrêmement euh, troublant. Hein. je peux me permettre, c'est une petite vidéo qu'on a envoyée sur des, un groupe américain de femmes qui sont euh, intégristes, on pourrait dire, twitch, je sais plus quoi, et cette vidéo avait quelque chose de particulier, c'est que ce n'était pas avec des femmes qui avaient les clichés que l'on connaît de la femme à la maison ou de la femme très religieuse avec les euh, troupes bien serrés. non, c'était plutôt des femmes qu'on aurait dit de caractère, avec même des chapeaux de cowboy. Et qui revendiquait le droit de retourner élever les enfants et que le mari protège la euh, famille parce que c'était la volonté de Dieu. Et on en fait même euh, quelqu'un qui s'occupe du foyer. Donc c'était la volonté de Dieu et que si on fait ça, tout va bien. Cette petite. Cette tout petit, ce groupe. Sauf que ça passe souvent en boucle, c'est bien mené, et petit à petit, on se dit, oh, mais de plus en plus, il y a des femmes qui veulent retourner derrière les fourneaux, ça c'est obligé. Alors que c'est faux, parce que parallèlement, il y avait un sondage qui disait que Trump perdait des voix au niveau des femmes parce qu'il était trop machiste. Donc, on se retrouve avec deux réalités. Mais combien de fois aujourd'hui, avec ces petits corpuscules à qui on donne une parole énorme sur les réseaux, ils font que... Quand vous vous retrouvez dans la rue, par exemple, aujourd'hui, être raciste devient quelque chose de normal. Je déforme mon territoire. Il y a quelques années, on l'aurait pas accepté. Mais du coup, on a l'impression que tout le monde est raciste. Donc, qu'est-ce qu'on fait On reste silencieux. Comme tout le monde va dire, parce que sur les réseaux, parce que sur ces petites vidéos qu'on a montées à épingle, on fait croire que la minorité est devenue une norme dans la rue. Eh bien, le silence de ceux qui pensent différemment se fait. Et on voit bien que aujourd'hui, par exemple, dans, dans notre pays, quand on a voté, les, la diversité de la gauche avait gagné. Et pour autant, on va dire non, le premier parti, c'est le RN. Mais ce pas possible. L'union est aussi un parti. Mais on est arrivé à convertir un résultat tangible. Et c'est là où est le danger, comme dans le geste du quotidien. Maintenant, quand on approche quelqu'un pour l'aider, tout de suite on dit, ah, mais qu'est-ce que vous voulez Moi, je dis, bah, je vais vous aider. Euh, oui, mais qu'est-ce que vous voulez Je veux vous aider. Et des fois, il y en a qui comprennent pas ce que je fais. Mais vivre le monde qu'on voudrait, continuer à dire ce que l'on pense, aujourd'hui, l'acte de résistance. Parce que sinon, le silence, ça va être la défaite de minorité que l'on croira être la majorité. Et qui auront déjà enfermé les gens alors que le moment est encore ouvert pour pouvoir permettre à l'humanité d'exister encore en nous. Moi, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas se taire, il hein. ne faut pas rester silencieux. Si on n'est pas d'accord, on peut le dire. D'une certaine manière, mais on peut le dire. La prophétie de l'espoir, euh, c'est un livre, mais on peut vous retrouver aussi pour des séminaires, je crois que vous faites une fois par mois. Qu'est-ce que vous faites ça. Une fois par mois, c'est le hérisson. Non Comment ça s'appelle Oui, au cœur du hérisson, c'est oui. un lieu partagé hein, qu'on a créé avec mon mari il y a 20 ans. Il va avoir 20 ans, où d'autres chamans, d'autres thérapeutes viennent, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que les vibrations sont nourries, entourées de forêts, trois bras de rivière, puisque c'est un moulin. Et là, ben, je fais tous les, tous les mois, je fais un, deux circuits d'initiation. Quatre euh, fois dans l'année, je fais des constellations à ma façon. Et puis des stages d'été, où. Euh, on travaille avec une de, des huttes de sudation. Voilà, c'est ça, c'est ma façon. Et puis, j'ai des groupes en virtuel hein, que je fais avec le Canada. Et, et tous les jours, j'essaie de, de faire une vidéo. Enfin, je la fais parce que je crois que c'est important de donner, de collaborer comme on fait aujourd'hui. Et puis, d'enseigner dans ce que l'on sait faire. D'avoir ces trois dynamiques dans une vie, ça équilibre la façon de s'enrichir, je dirais parce qu'on euh, partage, on donne et euh, on vit aussi. Puisque... Et on n'est pas, pas tout seul. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission En tout cas, j'ai essayé de faire un livre. C'est ce livre qui s'est fait parce que je n'ai pas eu l'impression d'être l'auteur. J'ai l'impression d'être le, dire, le trans transmettre, ce que j'ai reçu. Et j'espère euh, qu'il est simple comme mes vidéos du jour et que on peut marcher facilement dans mes pas pour faire sa propre initiation car dans un livre on est toujours deux celui qui écoute crée, ben celui qui lit l'écrit aussi à sa façon et j'espère que c'est une forme d'initiation qui déconstruit notre pensée occidentale pour nous amener dans cette ouverture qui permet de traverser quelle que soit l'épreuve en gardant son humanité et son cœur. C'est une journaliste qui vient regarder euh, les trances d'une chamane qui part en transe euh, volontairement, euh, sur demande comme ça, et qui, euh, qui regarde la, la scène vis-à-vis -vis de l'extérieur. C'est assez euh, extraordinaire parce que la journaliste, elle, elle pense qu'elle est sensible et qu'elle est... Enfin, il faut lire le livre. Oui. Euh, la dernière phrase du livre, c'est n'oublie pas que l'on sait que l'on est vivant quand on est prêt à mourir. Oui. C'est vrai, vraiment ça. Dans ces derniers instants, il y a souvent euh, cette intensité de vie qui se présente, et avec euh, quelle légèreté on l'a laissé passer. <laughs> oui, on se dit qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait envie de faire, donc euh, peut-être oui. la liste Mais... qu'on a toujours voulu faire et qu'on n'a jamais fait, et au moins en faire une. Et je crois que. Euh... Il y, a, il y a une vingtaine, ou, quinzaine d'années, il y avait un, un, un salon qui s'appelait euh, le salon de la mort. Et je me souviens de ma conférence, c'était si la mort est tabou, le monde est en danger. C'est ça le problème. Moi, je pense à la mort. Plus ce que je fais n'a pas de sens avec moi, ça m'occupe, ça me crée ça me calme mon anxiété, ça me donne l'illusion d'être puissant, mais je ne jouis pas. Et il est temps de retourner à l'orgasme, pas à des désirs infinis, un véritable orgasme qui est de d'être là, ici, maintenant, hein, comme vivant. C'est ça. Parce que je vais mourir, je sais que je suis vivant. Chaque fois que je regarde quelqu'un ou même mes animaux. Je sais qu'ils peuvent mourir, donc ouais. chaque instant est fort. Et je crois que vous avez perdu un fils. Hein. Oui. Oui, Un fils assez jeune. Donc vous savez ce que c'est. Oui, c'est la vallée des larmes. <laughs> Et ben, merci beaucoup. Juste une phrase pour terminer. Bonne route. <laughs> Pas dans ce livre, c'est une route. Alors bonne route à chacun. Merci beaucoup, Ghislaine, et puis euh, bah, bonne route. On peut se souhaiter un bon voyage, parce que finalement, c'est un voyage, de vie. Oui, c'est ça. C'est un voyage, et, et, et c'est un voyage qui n'a pas un début, une fin. On est des nomades. On arrive, on ne sait pas d'où. On y va, on ne sait pas où. Ce n'est pas grave. Merci, Ghislaine. Merci. Voilà.